Señor presidente, agradezco la exposición informativa de la alta representante para asuntos de desarme, señora Izumi Nakamitsu. Informe que da cuenta una vez más de la falta de avances en la cuestión de las armas químicas en la República Árabe de Siria. Cualquier incidente, señor presidente, que involucre el uso de armas químicas debe abordarse con transparencia y ser objeto de investigaciones exhaustivas e imparciales, de conformidad con la convención que gobierna esta materia. Reiteramos, por tanto, nuestra insistencia para que las autoridades sirias cumplan con sus responsabilidades que derivan de esa convención, del derecho internacional y de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad, incluidas las resoluciones 2118, 2209 y 2235, y que faciliten y emprendan una cooperación efectiva y sin trabas a la OPAC. Lamentamos que, a pesar de los esfuerzos realizados desde 2019 por el equipo de evaluación de declaraciones de la OPAC para aclarar todas las cuestiones pendientes en el caso de Siria, persistan inconsistencias por las cuales la declaración nacional de ese país todavía no puede ser considerada precisa y completa. La República Árabe de Siria debe responder con prontitud y diligencia sobre todas las cuestiones pendientes. Reitero el apoyo del Ecuador a la OPAC, así como a sus equipos técnicos y de investigación, que a pesar de innumerables obstáculos, realizan su trabajo de manera profesional, independiente e imparcial. Esperamos los resultados de la visita del grupo reducido de conformado por miembros del equipo de evaluación de declaración. Las conclusiones del tercer informe del Grupo de Investigación e Identificación de la OPAC, que conocimos el mes pasado, establece la existencia de motivos suficientes para apuntar a la Fuerza Aérea Siria como ejecutora del ataque químico en la ciudad de Duma el 7 de abril de 2018. No puede haber impunidad para los responsables de estos hechos. Finalmente, reitero el rechazo categórico del Ecuador a la producción, almacenamiento y uso de armas de destrucción en masa, incluyendo las armas químicas, por quien sea, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Muchas gracias. I thank the representative of Ecuador for their statement. I now give the floor to. I thank the representative of Brazil for their statement. I now give the floor to the representative of Switzerland. Monsieur le Président, je remercie la haute représentante aux affaires de désarmement, Madame Nakamitsu, pour sa présentation. La Suisse salue le fait que certains membres de l'équipe d'évaluation des déclarations aient pu se rendre en Syrie du 17 au 22 janvier. Ces membres y ont mené des activités limitées, y compris des visites sur site et des échanges logistiques et administratifs avec les autorités. Nous sommes impatients de prendre connaissance de leur rapport, dont la publication est prévue juste avant la prochaine session du Conseil exécutif de l'OIAC. La Suisse espère que cette visite puisse marquer le premier pas d'une coopération renouvelée et entière de la Syrie avec l'OIAC. Et nous souhaitons réaffirmer notre confiance en l'OIAC et à toutes ses missions dont l'intégrité et le professionnalisme ne font aucun doute. Comme les 193 États parties à la Convention, la Syrie est tenue d'accepter le personnel désigné par l'OIAC, de lui fournir un accès immédiat et sans entrave, ainsi que le droit d'inspecter tous les sites. Cette obligation a été explicitement réitérée dans la résolution 2118 de ce Conseil. Cela fait presque 10 ans que la Syrie, sous l'impulsion unanime de ce Conseil,
a soumis à l'OIAC sa déclaration initiale en tant qu'État partie à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. À ce jour, 20 points de cette déclaration demeurent en suspens. Nous réitérons notre demande que la Syrie fournisse les réponses nécessaires au secrétariat technique de l'OIAC, conforme aux décisions des organes politiques de l'OIAC. Monsieur le Président, les obligations découlant de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques ont été violées à plusieurs reprises en Syrie. L'OIAC l'a rappelé à ce Conseil le mois passé en présentant le rapport de l'équipe d'enquête et d'identification sur l'attaque survenue à Douma en avril 2018, qui conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les auteurs de cette attaque faisaient partie de l'armée de l'air de la République arabe syrienne au moment des faits. Notre sécurité collective, dont ce Conseil est le garant suprême, se base sur notre ferme opposition à tout emploi et toute prolifération d'armes de destruction massive, dont les armes chimiques. Ainsi, la Suisse demande à ce que les auteurs des attaques chimiques en Syrie répondent de leurs crimes. Plus généralement, notre sécurité collective dépend du plein respect du droit international par tous, en toutes circonstances. Ainsi, nous saluons la coopération formelle entre l'OIAC et le mécanisme international impartial et indépendant pour la Syrie. Elle constitue un rouage important vers l'application de la résolution 2118 de ce Conseil et le droit international, qui comprend également l'établissement des responsabilités et la reddition des comptes. Ceci inclut notamment la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, tout comme les autres règles du droit international humanitaire qui ont comme principal objectif de préserver un minimum d'humanité dans les conflits armés en sauvant des vies et en atténuant les souffrances. Je tiens à réaffirmer ici notre objectif commun, empêcher l'utilisation des armes chimiques par qui ce soit, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance. Merci pour votre attention. I thank the representative of Switzerland for their good, distinguished representative of France. Monsieur le Président, je remercie Madame Nakamitsu pour son exposé. Chacun le sait, nous sommes ici réunis car le régime syrien a utilisé des armes de destruction massive contre sa propre population. Les enquêtes indépendantes des Nations Unies et de l'OIAC l'ont démontré à 9 reprises. Il y a quelques semaines, l'OIAC a publié un rapport accablant qui démontre comment l'armée de l'air syrienne a délibérément largué 2 barils de chlore sur des bâtiments résidentiels, provoquant la mort de 43 personnes. La France exhorte une nouvelle fois le régime syrien à se conformer à ses obligations en vertu de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Le régime doit enfin faire la lumière sur ses stocks, car nous savons qu'ils n'ont pas tous été détruits. Monsieur le Président, nous avons pris note du déploiement limité des équipes de l'OIAC en Syrie le mois dernier et nous attendons le rapport qui sera présenté. La Syrie n'a cessé d'entraver le travail de l'OIAC avec une mauvaise foi évidente. L'absence de progrès est frustrante, mais la responsabilité en incombe intégralement au régime syrien. Dans ce contexte, je souhaite saluer le travail indépendant, impartial et professionnel de l'OIAC. Le directeur général a fourni une présentation détaillée et convaincante le mois dernier. Aucune campagne de désinformation ne saura cacher la culpabilité du régime. Exposer la vérité est essentiel afin de mettre les auteurs de ces attaques face à leurs responsabilités. Il ne doit y avoir aucune impunité pour les criminels de guerre. La lutte contre l'impunité est le fondement de l'efficacité et de la crédibilité du régime d'interdiction. La France continuera d'œuvrer en ce sens avec ses partenaires. Je vous remercie.